Il est dans les vapes. Hey, je vais le faire. C'est un mec bien. Pourquoi tu lui as pas dit? C'était pas le moment. Et ça alors? Ça donne quelque chose? Ouais, plutôt. Abby? Non. Cette fille, Nora. Son unité a été envoyée dans un hôpital. J'imagine qu'il récupérait du matériel. Cet hôpital? Ouais. Quoi, t'y vas maintenant? Ouais, c'est notre seule piste. Mais tu peux au moins attendre que Jessie se sente mieux, non? Elle sera peut-être partie d'ici là. Ellie... On sait où elle se trouve. Peut-être que Tommy le sait aussi. Quoi? Non, rien. Ok. Tu veux bien venir m'aider avec la porte? Moi, j'ai l'impression qu'il a envie de mourir vite, en fait. Bon. Ellie. En suivant la route 5, je devrais arriver jusqu'à l'hôpital. Peut-être qu'elle se sent un petit peu responsable parce qu'elle a pas pu sauver Joël. Faut suivre la route 5. Je retrouve Nora. Je l'oblige à me dire où trouver Abby. Facile. Ouais. Mais tu sais que la route 5 est complètement défoncée. Putain. Que je m'en fous. Il me faut la carte. Donc je dois prendre la route 5. Ouais, si tu veux, mais putain. En fait, cette carte nous sert pas. N'est pas très utile en fait. Parce que. C'est parti. Parce que, en fait, comme la route est. Déglinglée, hein, littéralement. Défoncée et tout. Forcément, les routes sont plus du tout les mêmes. Le plan n'est plus du tout le même. Enfin, le même. Donc c'est un petit peu la merde. Après je sais qu'il y a une grosse dispute entre Joël et Ellie et faut que je passe. Je vais couper par là. Que des bouteilles. À ce qui paraît, on peut les lancer dans la gueule puis à faire une petite attaque éclair. Cool, je me rapproche. Si tu le dis, moi je sais pas. Là, ce qu'il me faudrait, c'est des munitions. Là. Là, si on pouvait ramasser des munitions sur les cadavres, genre rapidement, ça aurait été à ouf.
Des corbeaux, ok. Ouais, pourquoi pas. Les pièces, c'est toujours bon à prendre. Bon, je vais fouiller toutes les immeubles pour récupérer un petit peu de munitions. Je crois que c'est là. Putain, on est où? Merde. Faut que j'entre là-dedans. Oh, la grille est fermée. On peut grimper ou pas? Non. Putain, on peut pas. Donc il va falloir qu'on passe par là. Il y a un moyen de passer. Exact. Bon. Pente glissante, ok. Et quelque chose au-dessus. Plutôt futé, Ellie.
Si tu veux, si tu veux. Techniquement, c'est moi qui suis. D'un autre côté, je m'en doutais. Hein. Ok. Donc là, je vais ouvrir au cas où. Ah ouais, c'était pas l'hôpital tout à l'heure. Il est plus loin que je pensais. Tu m'étonnes. Non, c'est pas un passage. Attends. Je crois qu'on a fait une connerie, les gars. Ça a été enfermé depuis des années. Oh, super. Je crois qu'ils étaient 5 en plus. Putain. Merde. Comment je retourne dehors? Le mat couché.
Donc voyons voir un peu dans le bureau. Bon, on a pu réparer, enfin ouais bah réparer notre machette. Mais on est quand même en PLS quoi, c'est. De toute façon là j'ai plus trop le choix, il faut vraiment que je trouve des ressources. Là c'est plus possible. D'accord, des sports et tout. C'est bon, t'es calmé. Il me manque encore des ciseaux. Je pense qu'on peut passer par là. Et je voudrais quand même encore... Je crois qu'on a fait le tour. Y a rien d'intéressant. Oui, il pleut. Voilà l'hôpital. C'est plus très loin. Tout est relatif. Merde. Ok. Faut que je rejoigne la rue. Putain, pourquoi je suis descendu? À mon avis, le pire, c'est...
Après, je pense que le pire, ce n'est pas la milice ou le wolf. Je veux bien mettre. Là, on a zéro munitions, quoi. On est mort. Mais honnêtement, comment on peut apprécier le jeu alors que t'as si peu de munitions, quoi? C'est parti. Oh putain, il y en a beaucoup. Putain. Je pense pas qu'on puisse grimper. Non, on va pas le changer.
J'ai hâte de sortir de ce trou. Vous êtes ici, et l'hôpital est là. Je vais traverser le parc. T'es sûr? Bon allez, on y va les gars. Putain, ce parc est devenu tellement sauvage. Quoi ça? Wow, putain! Ça n'en manque un. Oh, nous derrière. Ok, t'es la crevard, j'arrive. À la vitesse d'un serpent.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres bâtards? Non, je crois pas. L'escar, je sais pas du tout ce que c'est en fait. C'est un autre groupe paramilitaire, un truc comme ça, je pense. Putain, on a quand même pris des dégâts, quoi. Ok, voilà la route qui mène à l'hôpital. Discret. Ah putain, foutu sommeil. D'autres munitions, ouais. Peut-être que j'aurais pu réparer la hache. Peut-être j'aurais pu. Ou aurais dû. Bon. Faut que je casse une fenêtre. Alors, oh, qu'est-ce que c'est?
Si quelqu'un trouve ce mot, ma femme Paige m'attend dans l'ancien centre de conférence de Pike et convention en face du pub. S'il vous plaît, donnez-lui ce médicament, elle est enceinte et sans sel, elle risque de mourir. J'ai cru que je pourrais la rejoindre, mais j'ai perdu trop de sang. Je courais à travers un bois, j'ai entendu des sifflements et j'ai pris une flèche dans les côtes. Je me suis caché ici. Je pense que je suis à l'abri. Je ne vois pas ce qui pourrait m'arriver de pire. Je commence à avoir froid. J'ai piqué des médicaments à l'hôpital. J'aurais pu prendre du sang au passage. Mauvais blague, désolé. Demandez-lui que j'ai un humour de merde. Si vous voyez Belle, dites-lui que je suis parti en paix et que. J'espère qu'ils sont heureux. Dites-lui que je l'aime. Dites-lui que si c'est un gars, je veux pas qu'elle appelle avec moi. Qu'elle garde le prénom qu'on a choisi. Simon. Ah, c'est pour ça qu'il s'est enfermé. Ça c'est bon, il me manque pas tant que ça en fait. Hein. T'es con, il y avait une échelle ici. Bon. Je devrais pouvoir passer. Toi, tu pourras passer, moi non. Pitié, je vous en prie. Isaac prépare quelque chose. Je vais tout vous dire. Mais... Il faut décocher et on veut qu'il se cache. Il est libre à présent. Il est libre à présent. Cherchez des vagabonds. Puissent-elles nous quitter ?